vous êtes confiant pour cet endroit? Bah alors ça va devenir, on va le transformer en setup. Ça sera le setup de Max, c'est là où il fait ses vidéos. On va installer un bureau, un PC, on le mettra genre là, pour faire les scènes de bagarre, tout ça. Like a beaten drum. Écoute, c'est l'atelier caca. Déjà, tu rentres dans mon intimité, j'apprécie pas trop. Très confortable. Et moi, ce que j'adore, tu vois, c'est que c'est une scène très importante. En fait, on doit faire de l'ombre sur une lumière. Du coup, j'ai eu la magnifique idée de prendre un plateau que j'ai trouvé dans la cuisine. Et le réalisateur était vraiment très content. Il m'a dit. À mixer. Il est vraiment utile. Merci. Ah non, mais pourquoi tu l'as là? Comment je fais pour donner des millions sans boules? Pourquoi faire? C'est vraiment bon. Franchement, je pense qu'on a des professionnels. C'est du haut de gamme, tu vois. D'habitude, on est là, mais là, on est là. Bienvenue dans Déco. Aujourd'hui, on vous apprend à faire une photo. Alors, vous prenez une petite couverture. Du scotch. Du scotch bien noir. Bien noir. Et bah, vous êtes au chips, c'est bon. Je me glisse. Oui. J'ai fait des petites roulettes. Oui. Hop, je débranche. D'accord, la bloque. L'éternet. Et à la seconde où c'est débranché. Ouais. Tac. Numéro retourne, il est là. Je te vois. Oh merde! Bonjour, on installe le setup des Amixem. Donc, setup de qualité, bien évidemment. Setup de qualité qui ne correspond pas vraiment au meuble, qui lui est totalement nul. Ça se verra pas trop lui-même. Ça devrait aller. Ça suffit pour faire de bonnes vidéos, pour faire le buzz. Ça suffit. Un Yeti, un PC, une caméra, un petit laver-médiaire. Ça ne sert absolument à rien. Si, pendant les rendus. Pendant les rendus. Une petite partie. Alors là, je vais faire genre que je suis youtubeur, ce qui va pas trop être compliqué, si c'est le cas. Mais je vais être un youtubeur totalement frénétique, en mode ça fait 36 heures que je fais des vidéos H24 et que j'ai des perfusions de Red Bull dans les bras. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, faut que je sois très bizarre. N'oublie pas ton casque. Je suis prêt! Première matinée de tournage qui s'est très bien passée. Vincent a fait ses petits plans. Ouais, exactement, je suis meurt et j'ai fait caca. Voilà, on n'a pas eu de problème, tout se passe bien pour le moment. Maxime. On a que 1h20 de retard en une matinée, ce qui est pas mal. Ouais. Il faut noter que c'est un faible retard. Voilà. Donc maintenant on. Comate. Maintenant on est fatigué. Voilà, on va aller manger des pâtes. Donc là on va tourner les premiers plans du court-métrage au matin. On est au réveil, on prend le petit déjeuner et on entend Maxime qui gueule derrière. Enfin, j'arrive pas à beurrer mes biscottes et il y a Vincent qui dort et c'est là qu'on va essayer de trouver une solution et qu'on va expliquer ce qu'est l'effet YouTube. Déjà, faut pas comprendre, parce que les spéculoos, il y en a vraiment que dans le nord, en fait, tu vois. DJ Alex, discothèque, voilà, à base de LED et de baguettes. Et de tranquille LED. Venez, c'est la fête. De machine à fumer. La fête, c'est DJ Alex. Ouais.
Attendez, j'ai une idée. Seems like every time I read the paper, always seems like it's nothing but. Prestation incroyable, uniquement à la bouche. Vous allez voir, c'est très beau. Qui me donne le la? Merde! C'est bon. C'est bon? Merde, putain! Allez! Oh! Oh! Oui! Oui! Journal de bord numéro 1, l'effet YouTube. Nous avons abusé abondamment de la fumée. Nous avons fait, je suis ici, sur le côté, et sur le côté. Nous avons tourné 100, plus de 100. Plus de 150. On a commencé à quelle heure? C'est impressionnant, n'est-ce pas? À quelle heure avons-nous commencé? Nous avons commencé ce matin à 9h du matin. Et il est actuellement minuit. Journal de bord numéro 2. Jour 2, nous sommes au petit matin. On a un très beau Vincent qui va nous faire une réplique digne de 300. J'aime le beat. Et donc là, on va tourner tous les plans voiture, campagne, caddie. Pour terminer le tournage de ce court-métrage. On se retrouve pour le making-of de la vidéo à Mignon Cyril, on est en train de voler un caddie chez Super U. On attend que le témoin oculaire qui est en train de vider son bouteille. Ce bar ici. Début de l'opération, on peut plus faire marche arrière. Go, 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 go. Faut se barrer les gars, y'a que. Cassou. Oh, on se tire dessus. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on le ramène quand même, on est des gens sympas. On le ramène? Bah, on a prévu de le ramener quand même. Ah. Je me trouve actuellement dans un véhicule de type 4 roues pas motrice. Non, c'est ça. Eh? Mets ton oculus, on va prendre une photo. On raconte des blagues au making of. On va prendre une photo, ah, c'est plus important. Ah ouais. On l'a fait là ? Bon, allez, à plus. Bonjour, aujourd'hui je suis un G-son, cadreur réel, je fais tout. Voilà, donc on est dans une voiture, place limitée. Donc bah. Ça va être. Très pratique. Oh putain. Voilà, on a le super micro installé. Et bah voilà. Bon alors, petit débriefing. Vincent, viens. Débriefing. Bien débriefing. Nous avons officiellement terminé le tournage de ce coup. L'effet YouTube. Oui. Du moins. Ah, c'est le nom pour le moment, pardon. Voilà. Ça peut changer, on ne sait pas encore. On a tourné, on ne sait pas. Ça peut devenir Spider-Man 4. On ne sait pas, c'est possible. Tout est tout. Avec les scènes d'action. Tout est possible. Tout s'est très bien passé. Voilà, on a fait super tournage dans les champs. Des paysages extraordinaires. Maintenant, on doit s'attaquer au plus dur. On va devoir dérocher, on va devoir monter. Ça va être rigolo, hein. Je repars hors champ. À toi, Zéphère. Au revoir. Je suis. Non.